Et maintenant, comment on va faire pour grimper là-haut? On n'aura jamais le temps. Hé. Nate? Non, il va pas tout seul. Écoute, je reviens tout de suite, ok? Parce que tu crois qu'il va te suivre sans se battre? Eh ben, on se battra si c'est ce qu'il faut. Mais quoi qu'il en soit, je le ramène avec moi. Toi, fais en sorte de rapprocher l'avion au plus près de la montagne. Et sois prêt à décoller rapidement. Tu crois qu'on peut décoller lentement? C'est pas juste! Quoi? C'est ton tour de faire la vaisselle. Ne me fais surtout pas le coup de pas revenir à la maison. Je t'aime. Je t'aime aussi, Cowboy. Ok. C'est quoi ça? Des traces de pas. Sam! Ah, c'est pas vrai! Je suis sûr qu'il est déjà loin maintenant. Je vais aller vers cette montagne flippante, sauver Sam et me tirer d'ici. Et ouais, demain, on ira bien de tout ça. Te reprends. Les traces s'arrêtent là. Allez, par où il est parti? Piste reprend. Les traces s'arrêtent là. D'autres traces. Bon, tu t'es pas encore écrasé comme une merde. Déjà ça, j'ai encore une chance de te buter.
Oh putain! Des traces. Oh, on entre. Sam ! Ah, te voilà. Allez, on faut y aller. Oh ah ah. Putain, c'est plus dur que ce que je croyais. Ok, je peux y arriver. Je peux le faire. Oh, merde! J'ai réussi. Je sais pas comment, mais... j'ai réussi. Ah.
D'accord. Je vais descendre par là. Oh la vache, allez! Je crois que je vais descendre par là. Je vais descendre par là. Oh la vache, allez! Je crois que je vais descendre par là. Fais tout ça, Sam. Ça m'étonnerait. On a sûrement trouvé un moyen de descendre au sec. Une descente moins douloureuse. T'as fini? C'est le tout dernier, madame. Bien. Si on fait vite, on peut rattraper les autres. Cet enfoiré de Sam vient de nous piquer notre bateau. Il fonce droit vers le navire d'Avry. Qu'il y aille. On arrête. On arrête? J'ai perdu presque tous mes hommes. Et ceux qui restent sont déjà partis. Mais le trésor est là. Dans ce navire, là, juste sous votre nez. Votre pirate chéri a posé des pièges partout dans cette grotte. Pas question de monter sur son navire. Nadine, si vous arrêtez tout maintenant, la perte de vos hommes et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'aura servi à rien. On a quand même trouvé des millions en or. Et on est encore en vie, c'est déjà pas mal. Pas étonnant que vos hommes vous aient laissé tomber. Je vous demande pardon. On est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire, et c'est ce moment-là que vous choisissez pour vous enfuir avec les miettes que Sam va vous laisser. S'il arrive à sortir vivant de ce navire, tant mieux pour lui. Il l'aura mérité, ce butin. J'en dirai pas autant de vous. Ça suffit. Soit on reste là, à s'insulter toute la journée, soit on va terminer ce qu'on a... On a qu'à en finir pour de bon. Désolé, madame. Le truc avec les mercenaires, Nadine, c'est que leur loyauté, elle est à vendre.
au plus offrant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au bout de cette aventure ensemble? Ou est-ce qu'on y met un point final maintenant? Allons écrire l'histoire. Je préfère ça. Oh. Après vous. Voyons ce que t'as en magasin pour mon capitaine Avery.